Salut les amis, super mes infos pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pour faire les fournitures scolaires parce que cette année je suis en BTS, études supérieures, désolé si vous voyez un peu bazar. Parce que je n'ai plus du tout le meuble qui met pour ranger mes CD DVD. Il s'est pété la gueule et c'est dans des cartons et après c'est le sac de brocante que je dois faire. Donc je tourne la vidéo, on est le 24 août et cette vidéo sera vers moins 7 ans mais pas le début. Je sais que de base ça devait sortir début septembre parce que ma rentrée c'est le 3 je crois. Sur le site de mon lycée c'est le 3. Bref, c'était une petite intro, voilà j'explique. C'est parti. Alors j'achète ça, je crois que c'est à Action. Ouais, à Action. À 2 euros, je crois, dans mes souvenirs. C'est pour mes fiches de révision. Parce que depuis la terminale bac, j'avais fait des fiches de révision et ça m'a grave aidé pour l'histoire géo. J'ai eu 13. Je suis contente, pas contente. Les autres matières, j'avais pas trop révisé. Si un peu en PSE pour être bien dans l'ordre, ça s'est bien passé. J'ai eu 12,21 mention assez bien. Voilà. Ça, je peux les scanner sur mon téléphone et arriver sur mon téléphone. Très pratique. C'est génial. Après, ma mère m'a acheté ça parce qu'elle m'a acheté une récompense au Rocher, mais des vêtements et tout. Et voilà. Couleur pastel, les étiquettes. Je sais, c'est un peu mal mis, mais je suis pas la championne du monde hein, de mettre des étiquettes. Hein. Un petit rangement. Alors, dès que je l'ai eu, fallait mettre les autocollants et mettre le truc. J'ai un peu galéré sur le coup, mais après ça va. Ça, voilà, rangement. J'ai pied de poule. Truc comme ça pour être bien organisé, mais je sais pas comment ça se passait. Je suis un peu stressée pour ça, pour être honnête. Après, toujours à Action, j'ai acheté ça parce que j'ai flashé. Désolée, vous voyez mon lit un peu mal fait. Je suis désolée, je dois faire préparer la brocante et tout. Par contre, je sais pas si. Ah, si, j'ai. Mais c'est pas très logique. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7. Ça. Et. Je peux mettre ça. Les chiffres. Ça, je. Là, je peux pas. Ça, la fameuse, je peux pas. Il en manquerait. Et. Ou les mois, c'est pareil. Je vais réfléchir à ça. Mais c'est une nouvelle pochette. Très joli. Après j'ai ça, je crois c'est à Lidl, ma mère m'a acheté. Par contre j'ai gardé de base il n'y a pas les paillettes hein. C'est pas les paillettes hein. J'ai juste pris sur mon ancien agenda, je l'ai pris et au début ça voulait pas trop se fermer. Bon, ça va, avant c'était ça, c'est vrai, ça non c'est ça parce que j'ai mis des gros livres dessus et voilà, je vous les ai. Ça se motive un peu à l'ouvrir, même cette année. Bon, on va changer un peu de truc. Après, ma mère m'a acheté comment ça s'appelle? Bon, pareil, c'est pas un étui, c'est pour le compas. Les recherches. On sait jamais, hein. Que mon copain, la mine s'est cassée en deux. Après, un trieur encore. Jusqu'à 8. Je sais plus où ma mère l'a acheté où. Je sais pas si c'est à Terre ou Change. Non, je pense plus à Inter. Je pense, mais je suis pas sûre. Après, j'ai mon vieux porte-vue. J'ai plein de porte-vue. Alors, tiens, mon porte-vue violet. Ça, je sais, je veux le garder pour l'anglais. Parce qu'il m'a fait 3 ans en anglais. En BTS, je pense que ça va super aller.
Après, encore un trigger. Voilà, couleur pastel. Parce que mère sait très bien que j'aime bien les couleurs pastel. Encore un trigger. Couleur pastel. Non, la trousse. J'ai une nouvelle trousse. Parce que mon ancienne, elle me mettait trop de paillettes dans mon sac et ça m'énervait. Alors, des fois, j'avais des paillettes dans mes documents. Ça m'énervait. Alors, j'ai une trousse que j'ai que ma mère m'a achetée à Cultura. J'ai aussi un nouveau tac crayon parce que mon tac crayon que j'ai depuis le CP, attends, je sais pas s'il est là, a du mal à le tailler. Mais je crois qu'il faut que j'essaie de enlever la lame et la limer un peu. Voilà mon tas de crayons que j'ai depuis le CP. Et cette année, je pense pas l'utiliser. Désolé, mon nez. Il faut juste que je pense à. Ouais, à la dévisser, la nettoyer et la limer. Parce que j'ai trop prêté et. Des fois, c'était pas des crayons normaux, c'était des crayons de maquillage. Ça sert pas à un tas crayon. Ce genre de tas crayon avec les réservoirs, ça sert pas pour le maquillage, ça sert plus pour les crayons. Bref, après j'ai ma clé. J'ai gardé mes souvenirs. Si j'arrive à les prendre tous ensemble, couleur pastel à part le vert. Alors, ce stylo, j'ai gagné au tirage au sort sur Facebook. J'étais trop contente, même ma soeur, ma mère, ils ont gagné aussi. Fallait juste choisir un truc, et après ça se portait au tirage au sort. Et c'est une édition illimitée, je crois. Et voilà, j'ai trop contente. Après mon crayon de l'an dernier. Ma colle, là c'est Cultura. Colle. Mon nouveau tac crayon. Voilà. Ça me fait bizarre hein, parce que j'ai l'impression de me retourner quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé à ce tac crayon. Après, bah, c'est gomme que j'ai pas trop utilisé l'année dernière. Elle a encore. Bon, elle a légèrement usé, mais pas de très peu. J'ai pas beaucoup utilisé, sérieusement. Après, même ici, je les ai gardés. Celui-là, ça fait. Oh, ça fait depuis un an que je l'ai. Parce que l'ancien, il n'était pas comme ça. Le bouchon était en mode. Ça se voyait, c'était un bouchon de bouteille. Maintenant, ils ont mieux fait. Voilà. C'était. Quand c'était un bouchon, ça se voyait, c'était un bouchon de bouteille. C'est... Je devais avoir au moins 12 ans. C'était. J'étais une fois à la gare pour aller en vacances. Et nous avait donné un sac avec plein de trucs. Il y avait un stylo comme ça et tout. C'est comme ça maintenant. Bon. J'ai du mal à écrire avec ce stylo-là, mais sinon c'est génial. Après, j'ai mes souris que j'ai pas trop utilisées. Mes souris que j'ai utilisées dans mes épreuves écrites. C'est parti. Un petit rangement. Ça, au moins, je sais, je vois où elle est ma clé. Parce que j'en ai ras de bol de vider ma trousse pour chercher ma clé USB. J'aurais peut-être dû commencer par ciseaux et ta clé. Parce que là, je vais galérer à la fin. Mais... Ouais, c'est bon. C'est parti. Alors, après, j'ai acheté à Cultura deux blocs notes à scanner. Ah oui, c'est pratique, c'est pour les cours. Alors, je fais mes cours et je scanne. Et ça va se. Et je peux le scanner sur mon téléphone. J'en ai deux. Et en tout, ça faisait 13 euros, je sais plus combien. Et je suis très contente. Désolée, c'est un peu mon déjeuner. J'ai pris des sablés et du jus de pomme. Alors si je vais pas dans l'autre pour ça, je vais juste aller dans l'autre pour les livres. Ah, je sais, je ne manque pas tous les porte-vues parce que les porte-vues,
C'est les anciens, après j'ai un livre de révision. Mais c'est un livre de révision, hein. C'est pas pour les cours, je ne vais pas vous montrer. Je sais, j'ai une tête de maquette le matin, il ne faut pas trop calculer. Oui, j'ai un nouveau rideau. Ça, c'était le rideau de ma mère avant, et mon rideau, le vert, il est dans la chambre de ma mère. Elle a décidé de changer des rideaux. Il faut que je trouve un rideau à la taille de ma fenêtre, parce que là, c'est pas ma couleur que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand c'est couleur pastel. Soit un vert, soit un bleu, je m'en fous, mais là, j'ai un peu trop le soleil le matin. Et ça me réveille. Et c'est ça. Et je me lève vers 5h, 6h à cause du soleil. Bon, je vais pas me plaindre, mais voilà. Ça me réveille. Ouais. Ça attire le soleil. Et après, ça me réveille. Bon, voilà. Là, c'est culture économique, juridique et management. Première année. Voilà. Voilà. Ça, première année. Je suis hyper attention pour ces livres-là. Après, j'ai. Oui, je serai en BTS SAM. SAM, ça veut. BTS SAM, ça veut dire Support d'Action Management. Je sais, c'est pas Management, c'est Management. Attends, attendez. Managerial. Voilà. C'est juste parce que j'ai du mal à la dire à la fin. Et là, c'est le domaine d'activité 1, c'est optimisation des processus administratifs. Voilà. Bon, je vais faire mon trévivet. Oh, j'adore l'auteur du livre. Domaine d'activité 2, gestion de projet. Ah, je me prends un coup de lip, c'est rien. Bon, je vais faire cette vidéo pour que je fasse la brocante. Parce que ma mère l'a déjà donné à ma grand-mère. Et le reste, je dois marquer et tout. C'est dans quelques jours. Ah oui, c'est dimanche. Domaine activité 3, c'est collaboration. Oh, pourquoi je dis à l'anglais moi? Collaboration à la gestion des ressources humaines. Voilà. J'ai encore foutu. J'ai failli foutre dans mon œil. Enfin, je vais faire ça dans toutes les vidéos, quoi. Voilà. Et j'ai toujours le même sac que j'ai depuis. Je sais pas si je l'ai depuis le CAP ou le bac. Moi, je pense plus que j'ai depuis la seconde bac pro. Mais en CAP, je sais plus si j'avais. Peut-être en terminale CAP, mais pas en seconde CAP. Je pense pas. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!